Tu es mon abri, tu es mon refuge, mon protecteur, mon bouclier. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main. Nous allons le redire. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent devant moi, je les traverserai avec ta force. Jésus, tu je suis tranquille, car tu es là. Les apôtres se sont dit, qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Il est Dieu, il est le créateur de toutes choses, il est celui qui nous a fait. Il est celui qui t'a créé et qui a créé le monde entier. C'est pourquoi le vent et la tempête pouvaient l'obéir. C'est pourquoi il avait droit de parler à quoi que ce soit. Et cela se mettait en mouvement. Alléluia. Il est le Dieu qui s'est fait chair, la parole de Dieu qui s'est fait chair parmi nous. Il est la parole de Dieu qui était au commencement et qui a créé toute la terre, tout l'univers, visible comme invisible. Alors s'il parle à la tempête doit lui obéir. Alors quelle est la tempête de ta vie? En ce matin, mon frère, ma soeur, si c'est la maladie, si c'est le chômage, si c'est le manque de communion avec Dieu, le manque de communion avec tes frères ou ta soeur, si c'est l'ambiance familiale, si c'est ton couple, ton vie de foyer, quelle est cette tempête qui domine dans ta vie? Appelle celui qui parle à la tempête, celui qui calme les vents et les tempêtes, celui qui calme les ténèbres de nos vies, celui qui les ôte de nos vies. Alors appelle-le ce matin, parce que lorsqu'il est avec toi, la tempête et le vent s'effacent maintenant de ta vie. Oh Seigneur Jésus, nous n'avons pas de mots pour te définir. Nous n'avons pas de mots pour dire ta toute-puissance, pour parler de ta seigneurie, pour parler de ton autorité, pour parler de ce que tu peux faire, car tu peux tout, Seigneur. Alléluia.
Je suis tranquille dans les situations, dans les événements, dans les circonstances de ma vie. Je suis tranquille parce que Jésus est dans ma barque. Jésus-Christ de Nazareth parle à toutes les situations de ma vie. Je suis tranquille. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te tourmente? Alors prie ce matin et demande au Seigneur le courage, la force, l'autorité de parler à ces situations dans ta vie au nom de Jésus. Et ces situations vont prendre fin parce que lui, il est la voix, il est la parole de Dieu, il est la vie. Alléluia, qu'il parle maintenant aux événements de ta vie et qu'il se calme maintenant. Et qu'il se calme, que cette maladie se calme maintenant dans ta vie. Que cette montagne s'efface maintenant devant toi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je les traverserai avec toi. Oui, Jésus, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Chante avec moi. Même si la misère se déchaîne contre moi, même si la maladie se déchaîne contre moi, même si la pauvreté se déchaîne contre ma vie, même si les situations difficiles se présentent devant moi, je suis tranquille car celui qui gère les situations, le Dieu des circonstances, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, celui qui dit la chose arrive est avec moi. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta toute-puissance. Merci Seigneur parce que tu calmes les tempêtes de nos vies. Merci Seigneur parce que tu fais toutes choses selon ta volonté et selon ta toute-puissance. Merci pour la force que tu nous donnes ce matin de traverser toutes les épreuves de nos vies. Merci également pour ta grâce de nous enlever de ces situations. Merci pour ta grâce de nous libérer et de nous délivrer de la tyrannie des démons, de Satan, de l'ennemi de nos âmes. Et merci pour cette grâce de ta gloire que nous vivons maintenant au nom de Jésus. Alors je te souhaite une merveilleuse journée en Jésus, une merveilleuse journée dans sa présence et dans sa gloire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.